Les personnes qui me suivent le savent bien, je ne m'équipe pas ou peu chez Decathlon pour mon usage professionnel. Pour encadrer mes séjours l'été, je me tourne plus naturellement vers des marques haut de gamme. Mais ça ne m'empêche pas de recommander tout l'été les produits rando Decathlon à mes clients pour un usage occasionnel. Parce qu'ils sont largement assez aboutis pour ça. C'est surtout parce que mon équipement et mon outil de travail, que je vais l'avoir sur le dos pendant six mois de l'année, que j'ai un très haut degré d'exigence et que je suis sensible à des coupes plus fitées. Et c'est vrai que je ne regarde pas à la dépense quand un produit montagne me plaît. Et j'avoue qu'avec les remises pro, ça aide. Aujourd'hui, je me mets à la place de mes clients qui préparent leur séjour et des abonnés que je croise tous les jours sur le GR20 en été à la place de tous ceux qui m'ont reproché dans les commentaires que je parlais toujours de produits trop chers et de tous ceux qui n'ont pas envie de consacrer un budget illimité à leur matos montagne. Bref, à vous tous qui êtes, il faut bien le reconnaître, le plus souvent habillés en Quechua de la tête aux pieds. Voici donc ma sélection chez Decathlon, des produits que je trouve particulièrement adaptés au GR20. <music> Cette vidéo est la première d'une trilogie. Aujourd'hui, on sélectionne les vêtements. Un peu plus tard, les accessoires. Et viendra ensuite la base de votre équipement, le sac à dos. À la fin des trois vidéos, on organisera ensemble le sac à dos on pèsera le tout. Et on passera à la caisse. On va voir si on arrive à faire moins de 10 kg avec les produits des 4. Il y a 5 ans, je n'aurais jamais fait une telle vidéo. Mais depuis quelques années, j'ai noté une nette amélioration des solutions techniques et des aspects pratiques employés sur certains produits quechua ou Forkla, Ce qui accentue encore le très bon rapport qualité-prix de leurs produits. C'est parti pour les vêtements, on commence par le haut. Vous le savez, je suis un adepte des manches longues et des pantalons. Se protéger du soleil est essentiel sur le GR20. Les manches longues et les pantalons remplacent avantageusement l'écran total et évitent que toute cette crème solaire finisse inexorablement dans nos torrents. Moi, ça me rend malade. En plus de couvrir les bras, la chemise manche longue permet de rehausser le col si besoin. Surtout si vous avez choisi le sens sud-nord avec le soleil dans le dos. Malheureusement, et c'est clairement un appel du pied, pas de chemise manche longue légère stretch en synthétique dans la gamme Trek de Decathlon. Il y en a bien une dans la gamme Désert. Elle est pourtant super bien foutue, fonctionnelle et aérée, mais franchement, esthétiquement, c'est pas du tout ma cam. Je me rabats donc sur deux t-shirts manche longues à col zip, un mérino et un pur synthétique. Le mérino apporte un peu de chaleur et il ne pue pas. C'est plus pour porter après la douche et le matin quand on part tôt et qu'il fait frais. Même au cœur de l'été. Là, les parties claires sont en 95% laine, d'épaisseur 210 g au mètre carré, ce qui est plutôt fin. Et oui, le Mérinos a trois défauts. Un, c'est fragile, mais ici c'est très bien pensé, car les zones exposées au frottement, hanches, dessus des bras et épaules, en tissu plus sombre, sont en polyester. Deux, ça sèche moins vite que le synthétique. Trois, trouve que ça gratte un peu, quoi qu'on en dise. Ici, j'aime particulièrement les passe-pousses car le dos des mains est très exposé au soleil sur le GR20. La poche poitrine est bien pratique pour de l'argent ou un téléphone portable. Je trouve les coloris franchement sympas, et à euros, c'est pas cher pour du Merino. Le t-shirt pur synthétique pour le confort, à porter toute la journée sous le cagnard. Il est hyper stretch, le dos et le dessous des bras filets sont traités anti-odeur. Un col zip qui remonte haut, c'est parfait pour les journées ensoleillées et chaudes. Et quel confort Dommage, avec un coloris moins sombre, il serait parfait. Séchage hyper rapide, il sèche sur vous en permanence. Il séchera aussi bien plus vite que le méridon. Vous serez content si vos affaires se retrouvent un jour entièrement trempées. Et c'est pratique quand on lave le soir. Vous doutez Vous pensez que vous aurez trop chaud Alors dites-vous qu'en cas de besoin, on peut toujours rouloter des manches longues alors qu'on ne peut pas rallonger des manches courtes. Et si vous vous rendez compte sur place qu'il vous fallait des manches longues, il sera trop tard. Cette petite polaire fine à capuche, très stretch, est parfaitement coupée pour être superposée à d'autres couches ou pour partir sur une ascension matinale. Et en plus, elle est pas chère. Au fait, petite mise au point, non, je ne suis pas sponsorisé, ni payé, ni vendu à Decathlon, ni à aucune autre marque d'ailleurs. Et personne ne m'a demandé de faire cette vidéo, je la fais pour vous. Est-ce que j'ai un lien particulier avec eux oui, j'ai la chance d'habiter l'hiver à deux pas de leur centre de recherche, le Mountain Store. Ils m'ont ouvert leurs portes et pour un guide du matos comme moi, impossible de résister quand ils m'ont proposé de tester et de collaborer à la conception de certaines nouveautés. Un produit que j'adore, la Trek 100. Pour ceux qui veulent approfondir la question et savoir pourquoi je prône la doudoune synthétique pour le GR20, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée sur la chaîne. Compactable dans sa poche, des poches hautes. Enfin bref, tout y est. 35 euros, 400 grammes, une capuche qui vous dispense de prendre un bonnet, coupe vent, un produit que vous allez porter en statique, à la pause et au refuge le soir. Bref, indispensable en mi-saison, mais aussi au cœur de l'été. Il manque juste une petite poche téléphone à l'intérieur pour qu'elle soit parfaite. Éco conception, elle est faite à 70% avec du polyester recyclé. Et comme beaucoup de produits chez Decat, prenez une taille au dessus. Car la coupe destinée au grand public est très large au niveau du buste et assez étriquée au niveau des épaules. Et pour une fois, je trouve certains coloris sympas. Je vous conseille pour le début et la fin de saison cette doudoune Trexan en plume idéale en fond de sac. Superposable avec la Trexan en synthétique, elle est ultra légère et compactable dans sa poche. Il faudra cependant veiller à l'isoler de toute humidité avec un sac étanche. Elle pèse 290 grammes en L et elle coûte 50 euros. Bien que je trouve très abouti le pantalon short que je vous avais présenté avec mon client Fred dans une vidéo précédente, je préfère toujours conseiller d'avoir dans son sac un short qui pèse rien et qui prend pas de place, plus un vrai pantalon. Un boxeur, bien sûr. Pour moi, pas de mérino, car le boxeur sera aussi mon maillot de bain. Alors il faut qu'il soit capable de sécher rapidement sur moi. Et oui, si vous décidez de vous baigner, c'est qu'il fait assez chaud pour qu'en 30 minutes de marche, l'affaire soit réglée. J'en ai trouvé des super au rayon trail, sans couture et surtout avec des jambes assez longues pour ne pas qu'ils se transforment inexorablement en slip à force de faire ce mouvement-là. Le Trek 900, c'est un bon softshell solide, on se sent bien protégé. L'épaisseur est adaptée au début et fin de saison. En Corse, il est utilisé par beaucoup de chasseurs et beaucoup d'agriculteurs. Et les poches sont plutôt bien foutues. Le MH500 est plus fin, il est top quand il fait chaud. J'adore l'intégration de la ceinture qui ne fait pas d'épaisseur. Et oui, souvenez-vous, vous aurez aussi la ceinture de votre sac à dos par-dessus. J'aime aussi les renforts en rip-stop stretch sur les genoux et la possibilité de serrer le bas, ce qui vous permet de le remonter pour le transformer en pantacourt si c'est la canicule. Chaussettes. Pour moi, ce n'est pas une question très compliquée. Moi, je mets celle-là tout l'été. Je pas spécialement les pieds fragiles et sujets aux ampoules. Veste de pluie, c'est indispensable d'en avoir une, mais ne vous ruinez pas. Il y a des périodes où vous n'allez presque jamais l'utiliser. Respirabilité, étanchéité, les Schmerber. Si vous êtes actif sous la pluie, vous serez mouillé de toute façon, parce que la membrane va saturer et que ça va condenser à l'intérieur. J'ai sélectionné deux vestes. Ma préférence esthétique va à celle à 120 euros. J'en ai aussi sélectionné une à 80 euros. Les deux ont en commun les détails indispensables. Capuche bien étudiée. Aération sous les bras, des poches hautes, elles sont toutes les deux légères, autour des 500 grammes. Petit détail pour la Trek 500, la fermeture éclair inversée qui permet l'accès aux poches de la doudoune. Le tissu 3 couches semble plus résistant, plus technique, même si elle existe aussi en bleu foncé. Je préfère les coloris plus voyants dans le mauvais temps. C'est important d'avoir au moins un vêtement voyant depuis le ciel. Selon un copain sauveteur, le orange est la seule couleur vraiment différenciable depuis un hélico. Et c'est plus sympa pour vos photos. Notez que, comme pour les marques haut de gamme, les concepteurs ont harmonisé les coupes de leurs produits. La doudoune est assez courte pour ne pas dépasser de la veste. Tout ça est parfaitement compatible. Ok, Valentin, donc euh, moi j'ai repéré cette veste-là. Comment on la roule dans sa capuche Il y a une histoire de de pliage, hein, euh, c'est ici, hein, packable voilà, ouais, ça. il y a le petit symbole qui indique que ça va se plier là c'est tout bête en qu'on on n'a pas envie de s'embêter très longtemps on vient rouler tout dans la capuche Hop. et là on a un cordon et on vient fermer le lot voilà. alors ce qui est super c'est qu'en plus là vous augmentez pas le poids avec ce système, c'est à dire vous utilisez ouais. des élastiques existants non, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont intéressantes sur ces vestes, notamment le fait qu'il y ait des poches intérieures. Et ça c'est assez génial. On a des poches intérieures sur des vestes de grande marque haut de gamme, mais il faut vraiment atteindre le haut de gamme pour avoir des poches à l'intérieur. Ouais. Quand il pleut, si tu mets ton portable là, bah, ça peut prendre l'eau, même si c'est étanché. Moi j'en ai déjà fait l'expérience. Il ah, y a même une petite poche pour le maintien du téléphone, comme dans mon pantalon euh, Norona. Mon téléphone, je le mets à l'intérieur de, de la veste ici, et là, je suis vraiment sûr que ça ne va pas prendre l'eau. C'est vraiment un de mes coups de cœur ouais. pour l'utiliser dans des conditions de pluie. Un des trucs qui est très très agréable, c'est les poches. On n'a pas forcément les gants imperméables. Bien envie d'avoir les mains au sec, et les poches sont très grandes, et on a des manches qui sont assez longues pour couvrir la main. Donc là, on a les mains au sec, bien, euh, bien contre le corps. C'est vraiment agréable. Ok, donc toi tu es utilisateur de cette veste ouais. Dans ta pratique euh, rando quoi Pratique euh, montagne en général. Ouais. Ski aussi de, Tu de la rando, le ski, l'alpi, euh, euh, tout. Génial. Voilà, le casque passe en dessous donc euh, ouais, ça en fait une veste très polyvalente en plus. Eh bien écoute, euh, merci Valentin et puis euh, à la prochaine À la prochaine. Allez, ciao. <laughs> la gamme Trek 500 comporte aussi un pantalon de pluie pas trop cher et bien pratique. Tissu trois couches, fesses et genoux renforcés. Zip intégrale pour l'enfiler sans enlever les chaussures. Le bas de la jambe bien étudié avec un crochet pour le maintenir en place sur les chaussures. Bref, encore un très bon rapport qualité-prix. Cette sélection de vêtements constitue votre pactage pour le début et la fin de la saison. Bien sûr, vous trouverez tous les liens en description. Au cœur de l'été, vous pouvez supprimer la doudoune en plume, la petite polaire et le pantalon de pluie. Mais souvenez-vous que le gros du GR20 est compris entre 1000 et 2600 mètres d'altitude. Et que même en Corse, il peut faire froid en montagne. Voilà, ne ratez pas la suite de cette vidéo. Elle concernera les accessoires et les sacs de couchage. Je vous mets le lien ici. Pour être certain de ne pas la rater, pensez à vous abonner ici. Si vous activez la petite cloche, vous serez prévenu par mail de sa sortie. Et comme toujours, si vous voulez partir avec moi cet été, cliquez ici. Mais attention, on fait des séjours guidés sur mesure uniquement pour les groupes privatisés. Allez, ciao